Après les guides éco-phyto de conception de systèmes de production économes en produits phyto pour les fruits et les légumes, voici le film. Il décrit de manière visuelle et pédagogique un grand nombre de techniques déjà utilisées en conditions réelles. Il montre sur le terrain comment chercheurs, conseillers et producteurs testent de nouvelles approches et partagent leurs expériences. Les guides pour les systèmes de culture légumiers et fruitiers décrivent la plupart des techniques alternatives qui peuvent être utilisées en remplacement des produits phytosanitaires. Ces leviers vont être aussi bien d'ordre sanitaire qu'agronomique. Gestion de l'irrigation, gestion de la nutrition, gestion de la charge, qui vont faire appel aux connaissances globales du producteur à travers les différents domaines de compétences. L'intérêt de ce guide, c'est vraiment qu'on a toute cette panoplie de leviers qui est regroupée dans un seul et même outil. Et ça, c'est pareil pour des jeunes qui sont en phase d'installation, bah, c'est vraiment très précieux. Le guide, il est aussi utilisé sur l'exploitation comme support, parce qu'il est assez pédagogique, assez synthétique. Il permet à l'agriculteur de prendre un peu de recul sur ses pratiques. Et c'est vrai que c'est un moment intéressant dans la mesure où il permet de créer un échange avec le conseiller, de discuter de plusieurs solutions. Et ça oblige aussi quelque part le conseiller à bien prendre en compte l'ensemble des contraintes du système de production et de définir bien avec l'agriculteur quelles sont ses finalités, ses objectifs. Et du coup, c'est une base de travail qui est très importante et qui permet du coup de construire des solutions durables finalement. Vous avez aimé les guides Ecophyto ? Vous aimerez le film ?